utiliser le bâton pour éduquer les enfants n'est pas une solution, parce que la colonisation nous a habitués au bâton, ça a donné les mauvais dirigeants qu'on a aujourd'hui. Lorsque l'enfant a fait une bêtise, on lui fait savoir par une sanction qu'il ne faut plus la faire, et non par une bastonnade. Je dis qu'il est nécessaire d'utiliser le bâton de temps en temps pour éduquer les enfants. Parce que de nos jours, avec tout ce qui se passe, la dépravation des mœurs, le manque de savoir-vivre d'éducation de beaucoup de enfants aujourd'hui, il est vraiment nécessaire d'utiliser un peu de bâton. Surtout qu'à notre époque, nous qui avons grandi vraiment avec les coups de bâton, que ce soit à la maison ou à l'école, cette sévérité nous a permis quand même de nous maintenir dans un bon chemin. Mais aujourd'hui, vraiment, il est difficile de pouvoir même faire la remarque à un enfant sur la route ou même à la maison. Pour moi, non. Il faut plutôt davantage adopter la persuasion. Donc à défaut, à travers des punitions, les punitions domestiques. Mais le bâton en tant que méthode d'éducation, je ne suis pas favorable. Moi je pense que souvent quand ça arrive à certains stades, il faut utiliser le bâton pour éduquer l'enfant. Je dirais pas forcément, parce que de nos jours, l'enfant doit être traité, on va dire, comme un ami. Le bâton ne nécessite pas vraiment sa place, parce que nous ne sommes plus à la traite de noirs où on utilisait le bâton. De nos jours, en faisant comprendre quelqu'un ou en faisant comprendre un enfant quelque chose, si tu utilises le bâton, ça n'ira pas. Le bâton, ça va de pair avec l'éducation pour que l'enfant puisse être dans la droiture. Le Créateur lui-même qui nous a créés nous a donné des instructions même aussi dans l'éducation des enfants. Il dit dans sa parole que la verge, donc le bâton, ne s'éloigne pas de l'enfant parce que l'enfant, c'est la folie. La folie, disons que c'est le fait d'être insensé. Je pense que oui, on doit utiliser aussi le bâton pour ce qui concerne l'éducation des enfants. Pour moi, le bâton, ce n'est que le moyen, je vais dire, le dernier recours par lequel un parent peut user pour pouvoir sanctionner l'enfant. Parce qu'après, si on use mal du bâton, on comprend que l'enfant est amoché. Si l'enfant est amoché, il faut recourir à l'hôpital. Et c'est encore le parent qui est contraint à des dépenses. Dans un autre contexte, parce que les enfants aussi, parfois, il faut prendre la chicotte, essayer de les blâmer. Quand tu prends la chicotte, il a peur. Donc, dans ce cas aussi, je dirais que la chicotte est importante.